se retrouve pour le premier bilan culturel de cette année 2022, donc les mois de janvier et février. Et cet hiver, j'ai plein de nouvelles catégories à vous faire découvrir. Mais on va commencer par la catégorie traditionnelle des lectures, avec tout d'abord Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est un recueil de poésie très connu, sinon trop surcoté. À mon goût, j'ai toujours trouvé que Baudelaire était surcoté parce qu'on parlait que de lui tout le temps dans les études universitaires ou au lycée, et moi je ne l'ai pas étudié au lycée, donc je me sentais un peu exclue. Et je préfère des poètes comme Lautréamont ou Tristan Corbière. Donc là c'est au programme du CAPES, et donc il a fallu que je me plonge dans ce recueil. Alors mon avis à propos de ce recueil de poésie est très ambivalent, parce que j'avais déjà découvert Baudelaire avec Les Petits Poèmes en prose en prépa, j'ai pas tellement aimé, et là Les Fleurs du Mal, il y a un côté où j'adore, il y a des vers qui sont juste sublimes, que je trouve magnifiques. En plus, je suis quelqu'un de profondément mélancolique et nostalgique, donc qui rejoint un petit peu à certains égards l'état d'esprit de Baudelaire. Baudelaire n'a pas peur du tabou, qu'il évoque des réalités crues en les magnifiant. Par contre, honnêtement, je trouve que sa poésie est très complexe et parfois trop complexe pour moi, pour ma petite personne. Donc j'ai un peu de mal en plus de ça, enfin c'est le genre que j'aime le moins la poésie, donc mon avis est un peu partagé à propos de ce recueil. Ensuite j'ai lu dans tout autre registre 50 nuances de Grey, donc le premier tome, j'ai hâte de lire les deux prochains parce que vraiment ce tome je l'ai dévoré en 15 jours de temps, ça se lit très très vite, très très bien malgré l'épaisseur du livre. Les dialogues sont absolument croustillants. Bon voilà, c'est pas de la grande littérature, mais ça se lit très très bien. Je me réserve les deux autres tomes pour un peu plus tard, puisque là je suis rentrée en plein dans la littérature russe, et en particulier Dostoïevski. J'ai commencé Les Frères Karamazov, un bon morceau qui est nettement plus compliqué, très complexe, qui part dans le monde des idées, dans la religion, dans le spirituel, dans la réflexion morale, philosophique, le tout dans une intrigue où on parle donc de trois frères, les frères Karamazov, qui ont des personnalités tout à fait différentes mais dont les destins vont se mêler. Alors là je suis qu'au début, peut-être les 200 premières pages, mais j'aime beaucoup. Cependant mon rythme de lecture est un petit peu lent parce qu'il faut vraiment le temps que je comprenne tout ce qui se passe et surtout les réflexions des personnages, il y a énormément de conversations, de discussions, de dialogues. Ensuite j'ai lu, et je vous conseille vraiment cette découverte, le premier tome de la saga du Passe-Miroir. Alors là c'est plutôt de la littérature jeune adulte. Alors pour ceux qui adorent la fantaisie, les univers parallèles, la magie, c'est le bon livre. Donc c'est l'histoire d'Ophélie qui est une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle peut passer entre les miroirs, qui se voit obligée d'épouser un garçon plutôt rustre d'une autre famille, parce qu'elle est issue d'une famille d'animistes, et elle doit épouser un garçon qui habite au pôle, dans une cour plein de malfrats, où il y a plein d'intrigues qui se déroulent. Donc au pôle, c'est un endroit où il fait très froid, et la cour du pôle est une cour pleine d'intrigues, on dirait un peu la cour du roi Louis XIV. J'aime beaucoup ce mélange entre fantasy et monarchie, et magie, un roman que je trouve très original, et j'ai hâte de continuer cette saga puisque là j'ai lu le premier tome, donc Les Fiancés de l'Hiver. Ensuite j'ai lu Mon ami Dahmer, qui est cette fois-ci une bande dessinée écrite et illustrée par un des amis de Dahmer, qui est en fait un serial killer aux États-Unis. Cet ami raconte ses années de jeunesse avec Dahmer avant qu'il fasse ses frasques de serial killer, et explique un petit peu le parcours psychologique de ce fameux Dahmer. Alors c'est une lecture que j'ai pas tellement appréciée parce que les dessins comme l'histoire sont assez glauques, on s'en doute avec un sujet pareil, et j'ai pas trouvé vraiment de but à ce livre. J'avais l'impression qu'on nous montrait qu'une toute petite parcelle de ce qu'était Dahmer et de son histoire, et donc je suis restée sur ma faim, et en même temps j'ai trouvé les dessins et l'histoire très glauques. On va passer à la catégorie des films. Alors j'ai vraiment pas été au cinéma ces derniers mois parce que j'ai rien trouvé d'intéressant. J'ai juste, pour la Saint-Valentin, c'était vraiment the bon film, Nuit Blanche à Seattle. Alors je vous conseille vraiment ce film, donc avec Tom Hanks et Meg Ryan, et c'est l'histoire d'un père veuf dont le petit garçon de 8 ans va chercher à reconstruire la vie et à se trouver une nouvelle maman. Et voilà, c'est une histoire très touchante, bien évidemment très romanesque, très cinéma on va dire, très hollywoodienne, mais j'ai trouvé ça très très touchant. Ensuite on va passer à une nouvelle catégorie, la catégorie théâtre, puisque je suis allée 2 fois au théâtre et j'ai vraiment redécouvert mon amour pour les représentations théâtrales. J'ai tout d'abord été voir une adaptation d'un roman d'Agatha Christie qui s'appelle Le Vallon. J'ai adoré cette pièce parce que c'était un mélange entre un policier et un vaudeville. Toute la première partie de la pièce est vraiment sur le registre du vaudeville avec des histoires d'adultère, ça met d'ailleurs un petit peu de temps à démarrer. Et d'un seul coup il y a le crime qui explose
Et vraiment, on attend de savoir qui a fait quoi. Enfin, tous les personnages sont inculpés, vraiment. Et finalement, le résultat final est toujours très très surprenant. Belle idée d'avoir adapté ce roman d'Agatha Christie en pièce de théâtre. Et ensuite, j'ai été voir une pièce de théâtre que je voulais lire depuis longtemps, mais qu'est-ce que j'ai bien fait d'aller la voir au théâtre. C'est Lucrèce Borgia de Victor Hugo, donc un drame romantique qui revient sur une partie de l'histoire de Lucrèce Borgia qu'on connaît assez peu, âgée en fait. Moi, la famille Borgia, c'est une famille qui me passionne. J'ai déjà vu la série Borgia, donc avec le pape qui est le père de Lucrèce Borgia, et avec ses frères César et Juan. Et vraiment, cette famille a une histoire incroyable. C'est vraiment une pièce que j'ai adorée parce que j'adore le personnage de Lucrèce Borgia. Et là, c'était une autre manière, une toute autre manière de l'aborder. Moi, je m'attendais à voir une Lucrèce Borgia jeune, dans la fleur de l'âge, en plein dans des intrigues amoureuses. Et là, elle était... en fin de vie, on va dire, usée par la vie, et c'est plutôt une intrigue d'ordre familial. Très belle découverte. Alors ensuite, on va passer à la catégorie des séries, puisque j'en ai tout de même regardé, ou plutôt j'en ai regardé qu'une seule. J'ai le temps d'en regarder qu'une seule, mais celle-ci, je l'attendais vraiment avec impatience. Il s'agit de The Gilded Age, série qui a été réalisée par le même auteur, Downton Abbey et Belgravia. Cette esthétique particulière, avec toujours ce rapport entre les domestiques et les maîtres, qui est au cœur de la série, alors ici un peu moins au cœur de la série que Downton Abbey. Donc cette série The Gilded Age, c'est un petit peu le pendant américain de Downton Abbey, puisqu'on y suit au 19e siècle la vie de riches new-yorkais, et d'un côté les new-yorkais qui sont la bonne société new-yorkaise issue des colons, donc vraiment légitime, la noblesse, on va dire, de la société new-yorkaise, et d'un autre côté, les nouveaux riches qui se sont construits grâce à leur travail, et donc deux sociétés qui s'opposent, qui essayent de s'entremêler plus ou moins efficacement. Et donc on suit tout plein d'intrigues. C'est une série qui est géniale pour ses décors, ses costumes, les caractères des personnages qui sont très travaillés, également les intrigues qui sont très travaillées. On retrouve ce sel qu'on avait déjà dans Downton Abbey ou Belgravia, et que j'adore tout simplement. Ces séries historiques qui sont grandioses. Alors, seul petit bémol pour autant, c'est que je retrouve pas la même élégance qu'il y avait dans Downton Abbey. Mais voilà, c'est l'élégance à l'anglaise, on ne peut pas la retrouver chez les Américains. Une nouvelle catégorie à vous proposer, et il s'agit de la catégorie jeux de société. Alors à Noël, j'ai commandé le jeu de société Les Aventuriers du Rail, et ce jeu a littéralement été obsessionnel pour toute ma famille, puisqu'on en a fait des parties endiablées et que mes parents y jouent même quand je ne suis pas là. Un jeu qui est un mélange entre un Monopoly et un Catan. L'idée, c'est de faire des parcours en train sur un plateau de jeu. Alors moi, j'ai choisi le plateau Europe, mais je crois qu'il y a différents continents qui sont disponibles. C'est vraiment un jeu génial parce que c'est un jeu à la fois de stratégie, d'anticipation, parce que l'idée, c'est à la fois de faire ses parcours et en même temps d'empêcher les autres de réussir trop leur parcours, parce que sinon ils ont plus de points que nous à la fin de la partie. Et ça vous apprend vraiment à vous projeter dans la suite et à anticiper, un petit peu comme un jeu d'échecs. J'adore vraiment ce jeu, je l'ai découvert il y a 8 ans. Il fallait que je l'achète, et là je l'ai acheté et je suis vraiment surprise qu'il ait plu autant à ma famille. Les jeux de société, c'est vraiment le bon plan si vous voulez vous retrouver et vous savez pas quoi faire. Un jeu de société, vraiment, ça détend, de la joie, de la bonne humeur, et enfin voilà, j'adore les jeux de société. Et si vous avez envie de changer du traditionnel Monopoly, eh ben... c'est le moment. Et je vais continuer avec la catégorie des émissions, le retour de cette catégorie. Et j'avais une émission vraiment à vous parler, ou plutôt le retour d'une émission, parce que qui dit janvier-février dit le retour de Top Chef. Ça fait plusieurs années que je suis cette émission et vraiment que j'adore. Donc là on est déjà à la saison 13, c'est une saison qui, ma foi, est très prometteuse. J'ai vu le premier épisode donc la semaine dernière. Un peu déçue que Michel Sarran soit parti, mais en même temps il est remplacé par Glenn Vielle, c'est un chef que j'ai découvert la saison précédente, que j'aime vraiment beaucoup. Ce que j'adore dans Top Chef, c'est découvrir des nouveaux produits, enrichir mon vocabulaire également au niveau de la nourriture, mes techniques de cuisine. Moi j'adore cuisiner, donc regarder ça, c'est un plaisir. Je trouve que c'est une émission qui en ça est à la fois très humaine et en même temps très technique, et peut vous apprendre tout plein de choses. Finalement, pour la dernière catégorie, on va rester dans la thématique bouffe, puisque je voulais vous parler d'un appareil électroménager qui m'accompagne tout cet hiver. Il s'agit du Moulinex pour les appareils à soupe et smoothie. Alors on m'a offert ça à mon anniversaire et vraiment c'est une découverte
incroyable. C'est hyper pratique parce que vous avez qu'à acheter 2-3 légumes par-ci par-là, vous mixez ça 40 minutes, hop, c'est prêt, vous avez vos bonnes petites soupes. Mangez des légumes d'une manière différente. Et ce qui est génial avec cet appareil aussi, c'est qu'il fait les smoothies, donc en été, je pourrais aussi l'utiliser. Voilà, j'ai terminé avec ce bilan culturel. J'espère que vous aurez fait quelques découvertes et que ça vous aura donné envie, vous aussi, de sortir, d'aller au théâtre. Hein, le cinéma, c'est bien, mais le théâtre aussi, c'est génial. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.